Vous savez ce que c'est le RGPD ? C'est le Règlement Général de Protection des Données. Et ça, c'est une victoire écologiste. Depuis 2012, le jeune eurodéputé allemand Jan-Philippe Albrecht s'est battu pour établir une législation protectrice de nos données personnelles. Et ce texte-là, il entre en vigueur le 25 mai prochain. Il s'est battu pour vous. Pour que vous puissiez d'abord récupérer et effacer vos données. Vous savez, ces photos que vous avez mises sur Internet, de vous dansant sur une table à l'âge de 16 ans, eh bien ces photos-là, vous pourrez désormais les récupérer et les effacer. À partir du 25 mai, l'Union européenne vous offre simplement le droit à l'oubli. Ensuite, il s'est battu pour que nous puissions protéger nos enfants. À partir de maintenant, à chaque fois qu'un enfant de moins de 16 ans ira sur Internet, une autorisation sera demandée pour tout transfert de données, que ce soit sur l'âge, le lieu de vie, l'emplacement de l'école. Nos enfants seront protégés et ils cesseront d'alimenter les banques de données des grandes entreprises. Enfin, il s'est battu pour que nous puissions décider à qui nous donnons notre argent. À chaque fois que nous allons sur Internet, que nous visitons un site en ligne, que nous visitons une boutique en ligne, que nous achetons un billet de train ou un billet d'avion, les firmes privées récupèrent ces données et les revendent très 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 cher. Parce que n'oubliez pas, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Le 25 mai prochain, l'Union européenne sera la seule instance publique au monde à établir une telle législation qui nous protège et qui défend l'intérêt général face à celui des multinationales. Cette victoire, c'est grâce à l'Europe, c'est grâce aux écologistes.